Les gars, non, Yeromain, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai dit, le monsieur là, le champion là, le courageux là, non, Frodo Bani, Eric Piment, c'est le piment. Ibrahim Traoré, non, c'est la terreur. Les terroristes là, non, ils sont des leaders. Mais regardez le reportage là, regardez, regardez vous-même. C'est grave. Partagez la vidéo et on écoute ensemble. Les échos du front du jour nous amènent dans le Sahel où un véhicule transportant de la logistique des bandes criminelles a été détecté par les combattants du ciel. Il a été suivi et détruit alors que ses conducteurs le croyaient à l'abri. Les vecteurs aériens ont également mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes sortis de leur cachette pour se ravitailler en carburant sur l'axe Dori Seba. Les détails avec Bienvenue Tansa. Ce week-end, les observations au nord de Nassongo ont permis de détecter un véhicule pick-up des criminels transportant des munitions et progressant du nord vers le sud. Il est minutieusement suivi. Ces criminels arrivent et stationnent sous des bois et camouflent leur cargaison. Peine perdue, ils sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Brûlés à grand feu avec leur cargaison. Ce jour, 29 avril, un camion de l'escorte Dori Seba rempli de fûts de carburant s'est renversé en cours de route. Il est resté sous surveillance des vecteurs aériens et effectivement les criminels sont venus en masse avec tricycle pour se servir. Ils vont être verrouillés, frappés efficacement. Tout va partir en flammes dans la zone. Les opérations se poursuivent.